50% voire 60%, c'est encore les soldes à Ajaccio et le moment de faire des affaires. À la recherche d'un produit précis? Non, pas du tout. Pas de l'affaire. Voilà, de l'affaire, c'est ça. En Corse, les soldes se terminent le 21 août, plus tard que sur le continent, et le bilan est plutôt positif dans cette franchise de prêt-à-porter féminin. On a eu plutôt pas mal de monde, beaucoup de croisiéristes, beaucoup d'étrangers. Après, il y a eu pas mal de monde, ouais. Dans les magasins indépendants, le bilan est plus mitigé. Ils attendent beaucoup des marques plus importantes parce qu'on est concurrencé justement par des enseignes et on ne peut pas suivre les grandes enseignes qui ont des franchises en particulier qui font des coups de solde à longueur d'année et nous on ne peut pas forcément suivre le mouvement. Des baskets à 50%, les prix chutent ces derniers jours. Là, on finit cette semaine avec la fin des soldes et la braderie qui se poursuit sur 4 jours. Donc là, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment très, très intéressant. Pas de chiffres encore pour un bilan définitif des soldes, mais les commerçants sont plutôt satisfaits. La braderie démarre ce mercredi.